Mon Anthony, je devrais être à tes côtés, grande absente des obsèques d'Alain Delon, Mathilde Seigné sort du silence. Mathilde Seigné, proche de la famille Delon, a exprimé sa tristesse de ne pas pouvoir assister aux obsèques de l'acteur. Sur Instagram, l'actrice a adressé un message poignant à son ex-compagnon, Anthony Delon, et à Alain Delon. Mathilde Seigné, absente mais présente en pensée. Parmi les invités conviés aux obsèques d'Alain Delon figure Mathilde Seigné, ex-compagne d'Anthony Delon et amie de la famille. Toutefois, l'actrice n'a pu se rendre à la cérémonie. Pour marquer ce moment douloureux, elle a choisi de s'exprimer via Instagram. Dans une publication sobre mais poignante, Mathilde Seigné a partagé une photo d'elle aux côtés d'Anthony Delon. Accompagnée d'un message adressé à celui qu'elle appelle affectueusement mon Anthony. Je devais être à tes côtés aujourd'hui, malheureusement je n'ai pas pu, mais je suis avec toi en pensée si fort. Écrit-elle, avant de conclure avec une note de tendresse envers Alain Delon. Bon voyage Alain, je t'aimais beaucoup. Ce message, simple mais chargé d'émotion, a été salué par de nombreux internautes. La relation entre Mathilde Seigné et la famille Delon remonte à plusieurs décennies. En effet, malgré la fin de son histoire d'amour avec Anthony, Mathilde a su maintenir des liens étroits avec lui et sa famille. Cette proximité a été particulièrement visible lors du décès du samouraï du cinéma français. Interrogée sur les plateaux de télévision, l'actrice n'a pas caché sa tristesse, évoquant une perte incommensurable pour le cinéma français. Elle a notamment souligné l'impact durable de l'acteur sur l'industrie, le qualifiant de dinosaure du cinéma dont la disparition marque la fin d'une époque.